Ça tous c'est Cantinox Variant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va pas durer énormément de temps. C'est pour vous donner encore des petites news, des rumeurs qui sont en rapport avec Nintendo, encore une fois, puisque je vous rappelle quand même, j'ai eu quand même pas mal de vidéos qui ont été juste Fortnite Switch, Mario Maker, je me rappelle, j'avais fait une vidéo, c'était juste. Il y a eu plein de vidéos qui ont été juste. Il y a eu le Nintendo Direct d'août, c'est le seul moment où j'ai eu faux, c'est-à-dire que là, Nintendo Direct est pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Apple. Alors pourquoi Apple? Parce que tout simplement, ils font une conférence le 12. Et je vous rappelle, en 2016, ils avaient invité Miyamoto, le créateur de Zelda, Mario, etc. Et Miyamoto avait annoncé Super Mario Run qui serait exclusif à l'iPhone, donc à l'iPad, l'iPhone et tout ça. Donc qu'il arriverait, je crois que c'était plus tard, je sais plus du tout, mais qu'il arrivait plus tard sur l'Android, parce qu'en fait, ils avaient l'exclusivité de Super Mario Run pendant quelques mois, je crois que c'était pendant pas mal de mois. Hein. Android, ça arrivait, je crois, en début d'année 2018. Et donc là, Marcus Sellar annonce que pour la conférence Apple qui arrive la semaine prochaine, eh bien Nintendo, enfin les fans de Nintendo devraient regarder puisqu'il y aura des news de jeux Nintendo. Alors, de vous dire what the fuck, il y a Nintendo Direct qui a été repoussé à cause du séisme au Japon. Pourquoi Nintendo irait à Apple présenter tous ses jeux? Mais en fait, c'est pas du tout comme une Nintendo Direct parce que là, ils feraient une présentation pour leur Mario Kart Tour. En fait, je sais pas si vous vous en rappelez, le jeu mobile Mario Kart qui devait arriver pas mal de temps avant. Hein, parce que ça fait longtemps qu'il a été annoncé ce jeu. Je me rappelle, ça doit faire au moins 2 ans qui a toujours pas d'infos. Il y a toujours pas eu d'infos. Et là, Nintendo devrait arriver, donc je pense avec Miyamoto, hein, et Miyamoto devrait présenter Mario Kart Tour sur l'iPhone, et il tournerait, je pense, encore mieux sur le dernier iPhone et tout, enfin, vous savez, toutes les exclusivités d'Apple. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, moi je pense que ça pourrait être vrai, ils l'ont déjà fait, donc je pense qu'ils peuvent le refaire cette année, et Nintendo, voilà, ils font dans le marketing en ce moment. Ils sont beaucoup dans le bon marketing. Super Mario Run avait quand même assez bien marché, même si je crois que les recettes n'étaient pas excellentes non plus, parce qu'il fallait payer, je vous rappelle, 10 euros pour avoir tous les niveaux. Moi, j'ai pas payé. J'avais envie de payer, mais je n'ai pas payé parce que c'est trop cher. Hein, c'est trop cher pour un jeu comme ça. Et là, j'espère que Mario Kart Tour n'aura pas de trucs comme ça où il faudra payer. J'espère qu'il y aura juste, par exemple, des microtransactions comme Fortnite, comme tous les jeux comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas de gros DLC à acheter. Une partie du jeu à acheter, quoi, tout simplement. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça sera vrai ou pas? Est-ce que vous pensez que le 12, donc c'est le 12, mercredi 12, donc il y aurait l'Apple Conférence qui n'est visionnable que par un iPhone, vous pouvez le regarder que par un iPhone cette conférence, donc ça c'est assez dommage, mais moi je pourrais le regarder, je vous dirai hein, sur Twitter, parce que je crois que c'est vers 18h-19h la conférence, donc je vous dirai sur Twitter toutes les informations à retenir bien sûr. J'ai un nouveau Twitter, encore une fois, la dernière fois j'avais dit que j'allais récupérer mon ancien compte Twitter, mais en fait il a été complètement supprimé, j'ai plus de chance de l'avoir, donc là j'ai un nouveau Twitter. Cette fois je vais faire attention à ce que je fais parce que je vous rappelle, ben, je l'ai dit sur Twitter, mais j'avais juste changé ma date de naissance et mis la bonne. Et vu que je l'avais mon compte Twitter, je l'avais créé avant les 13 ans, et ben les Twitter ils ont dit non, hop, on verrouille ton compte et tu as besoin de plein de choses. Hein. Ils avaient besoin de plein de choses et j'ai pas pu, enfin, c'est compliqué, c'est très compliqué. J'ai pas pu récupérer le compte tout simplement. Donc j'ai créé un autre compte, j'essaie de d'avoir tous mes anciens abonnements et tout, mais c'est compliqué. C'est très compliqué, mais suivez-moi sur mon nouveau compte si vous me suiviez sur Twitter avant.
Voilà, c'était CouchDogsOne, c'est pas mettre un j'aime, un commentaire à cette vidéo, à vous abonner pour voir de prochaines vidéos. On se dit très bientôt pour aussi peut-être quelques news sur le Nintendo Direct, parce qu'il va en avoir. Bye!